Impossible à croire vous présente une jeune fille de 17 ans distraite à un accident de voiture avec un bus scolaire. Puis un policier se met à pleurer quand il trouve ce qu'elle a dans la main. Avant de commencer, aidez notre chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces vidéos émouvantes chaque jour. Les gens ont tendance à être distraits lorsqu'ils font beaucoup de choses en même temps. Pour faire beaucoup de choses simultanément, il faut de grandes capacités de travail et d'analyse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il est nécessaire de se poser les bonnes questions pour savoir s'il est impératif de faire plusieurs choses à la fois. De plus, on remet souvent beaucoup de tâches au lendemain, car on préfère simplement être avec sa famille et ses amis, ce qui peut occasionner des situations où on doit tout faire en même temps. Comme Kathleen, cette adolescente qui devait aller chercher sa sœur aînée après son travail. Elle se rendait sur l'autoroute Pinilla Country, dans le nord du Mississippi. Courtney, qui est la sœur aînée de Kathleen, attendait son arrivée. À 7h du matin, sa sœur n'était toujours pas arrivée. Elle a donc supposé qu'elle avait simplement du retard. Courtney allait attendre un quart d'heure de plus. Finalement, toujours pas de signe de Kathleen, sa sœur commençait à s'inquiéter de l'endroit où elle se trouvait. Elle a décidé de publier un message sur les réseaux sociaux pour savoir si quelqu'un avait vu Kathleen dans la journée. Cependant, elle était loin de s'imaginer ce qui était arrivé. Kathleen a eu un accident de voiture. Elle a eu sur l'autoroute une collision tragique et inattendue avec un bus. Le choc fut très brutal et c'est Kathleen qui a eu le plus de dégâts. L'avant de sa voiture était totalement écrasé dans l'arrière du bus. Heureusement, parmi les 12 élèves avec le chauffeur, aucun d'entre eux n'a été blessé. Aussi, ils ont été rapidement transférés dans un autre bus. Malheureusement, Kathleen perdit la vie dans l'accident. Quelques personnes interrogées qui ont été témoins de la collision ont posté des photos de l'accident. Ils ont décidé de les partager avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Peu de temps après le grave accident de voiture, les autorités locales du Mississippi ont reçu l'appel. Les policiers sont rapidement arrivés sur la scène de l'accident. Ils ont commencé à rechercher des indices sur les raisons de ce tragique événement. Les policiers n'ont pas mis longtemps à trouver la seule preuve de l'accident. Kathleen tenait quelque chose dans sa main au moment de son décès, ce qui a permis de clarifier toute la situation. Ils n'ont pas été surpris par ce qu'ils ont trouvé sur le site de l'accident. Mais ils ont été vraiment tristes de cette découverte car il s'agissait d'un problème très répandu. Kathleen aurait pu être en vie jusqu'à présent si elle avait été concentrée sur sa conduite. De nos jours, les petites choses peuvent faire une grande différence, surtout sur la route. Les gens ne doivent pas prendre ces choses pour acquises, même avec l'évolution rapide du monde. Les nouvelles technologies sont formidables car elles nous simplifient la vie dans nos tâches quotidiennes. Néanmoins, il faut les utiliser correctement dans un endroit sûr. Voici ce qui est arrivé à Kathleen. La police a conclu qu'une partie de son attention se portait sur son téléphone. Aussi, Kathleen n'était pas consciente de ce qui se passait juste devant elle alors qu'elle conduisait à grande vitesse. Elle n'a pas pu réagir à temps pour freiner et s'est donc écrasée dans le bus. Sur Facebook, les policiers ont rappelé les règles de sécurité routière. En particulier, le fait qu'avec son téléphone en main, elle n'a jamais eu le temps de réagir pour freiner. Ce qui s'est passé pour les policiers est vraiment triste et sa famille partage maintenant cette histoire, pour expliquer qu'une simple erreur pourrait potentiellement coûter une vie. Pour finir, les êtres humains sont responsables de toutes les actions qu'ils commettent. Elles peuvent non seulement affecter leur propre personne, mais parfois aussi avoir un grave impact sur les membres de leur entourage. Ils peuvent être confrontés à des leçons qui marqueront toute leur vie. De plus, ces leçons pourront être transmises aux générations futures pour également éviter qu'elles ne fassent les mêmes erreurs que les précédentes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur une de nos autres vidéos pour découvrir d'autres histoires. Thank you.